Bonjour à toutes et à tous, c'est Moedra. Alors, à la partie 1, j'avais traité l'utilisation de la diode comme protection contre les circuits et comme détecteur de max. Maintenant, on va passer à la partie 2. Alors là, du coup, je vais vous présenter l'utilisation de la diode en tant qu'écréteur. Alors, un écréteur, comme son nom l'indique, ça sert à écréter. Donc, ça va supprimer une information de tension et la rendre fixe. Par exemple, dans la première partie, vous avez vu que quand il y avait l'alternance négative dans la diode, eh bien, elle était bloquée. C'est-à-dire, elle passait à zéro. Et là, l'écréteur, ben, on s'en sert généralement pour protéger contre les surtensions. C'est-à-dire que si, par exemple, votre circuit en aval, il supporte 5 volts max, eh bien, si vous avez plus de 5 volts, vous devez faire en sorte qu'il voit 5 volts votre circuit, sinon bye bye. Donc on va essayer de montrer comment on peut on peut faire cette fonction là. Alors là, on voit effectivement qu'on a écrité la partie positive du signal. C'est-à-dire que si on est supérieur, alors là on va montrer, si on est supérieur à 0,6, eh bien, on va imposer, là dans ce cas-là, on impose 0,3 parce que là, justement, c'est le, le seuil de la diode. Donc on va, on va mettre 10 kg pour avoir des valeurs 0,7. Donc là, on voit que, justement, on a 0,7. Si la tension verte, c'est-à-dire l'alimentation, dépasse, 0,7, et eh bien on impose 0,7, c'est ce qu'on veut. Mais on a là, comme on a une tension alternative, donc qui varie négativement, et eh bien on n'a pas écrété cette partie-là. Et pour l'écréter, qu'est-ce qu'on peut faire Alors on peut procéder de deux manières que je vais vous présenter. Alors vous avez vu que le problème, c'est si on veut que notre signal il soit entre 0 et 5 volts, malgré le fait qu'on ait une tension variable, par exemple dans ce cas-là de moins -20 à 20. Ou là de moins 12 à 12, et eh bien ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut arriver à écréter la partie positive et la partie négative. Donc on a vu auparavant que si on écrétait la partie positive, la diode était dans ce sens-là. Donc pour écréter la partie négative, on se doute qu'elle sera dans l'autre sens. Donc il faut judicieusement combiner ces deux fonctions pour pouvoir avoir le signal qu'on veut. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déconnecter ça. Et comme je vous l'ai dit, il faut deux diodes. Alors on va en mettre une dans ce sens, et l'autre on va la mettre dans le sens opposé, comme ça. Opposé parce qu'on va les relier par un point qui, sont, qui est commun mais qui n'est pas de même type. Là on a le N, enfin là on a la, le type P, la node, et là le type N, la cathode. Alors on va réfléchir de manière méthodique. Supposons qu'on ait 12 volts ici. 12 volts, faisons fi de la résistance au début. Puisque là en fait la résistance sert à avoir le différentiel. Mais on va faire abstraction pour un premier temps. On considère que c'est un fil. Donc on a 12 volts. Donc 12 volts là, si on veut que là ça conduise, eh bien il faut que la tension à la cathode soit inférieure. Donc si je veux 5 volts au final, dans ce sens là on aura 0,6 si elle est passante. Donc il faut apporter le différentiel. Maintenant, supposons qu'on ait moins 12. Moins 12 là, hop. Là, si j'ai laissé mon circuit comme il est, celle-là est bloquée. Par contre, là, moins 12, là, pour qu'elle soit passante, il faut que la tension soit supérieure. Et si elle est passante dans ce sens-là, et que je veux 0, il faut que j'arrive à imposer une différence qui fait que ça fait 0. Ce qui est logique. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un élément. Bon c'est une batterie mais elle est plus petite. C'est ce qu'on appelle le sel. Alors là du coup ce que je vais faire c'est que on va faire le calcul. Donc du coup la batterie on va la mettre on va la mettre comme ça. C'est-à-dire que on veut imposer du coup 5 volts là. Donc supposons qu'on est 0,6 là, ou 0,7. Donc là, il faut mettre, Eh bien on va connecter comme ça, du coup là, on aura une tension là, qui va s'ajouter justement à celle-là, qu'on aura 0,6 dans ce sens. Donc là, on va mettre ben, 0,6 plus, enfin 5 moins 0,6, donc 4,4. Donc, on voit... Bon là on va baisser la fréquence du signal hein, parce que 10 Hz, on, on voit trop de périodes pour notre euh, notre graphe on voit bien que enfin si je maximise on voit bien que on a mis 5 volts donc finalement on a écrété, c'est-à-dire que toute cette information là est réduite juste à une constante maintenant Voyons voir pour la partie négative. Pour la partie négative, là, pour l'instant, j'ai rien branché, donc elle suit. Si on veut... Puisqu'on a dit qu'on était passant comme ça. Si on a 0,6 dans ce sens-là. D'ailleurs, euh, je dis dans ce sens-là, mais ce que je pourrais faire, c'est mettre euh, le voltmètre pour bien qu'on voit euh, les différences de potentiel. Hein. Ça pourrait être utile. Donc. On va le mettre comme ça. Et on va le mettre comme ça. Donc là, on voit bien. Là voilà, qu'on a 0,6 quand on est passant. Puisque là, on est dans 7. Donc le 7 nous remet 5 volts. Donc dans ce sens-là, on voit qu'on aura 0,6. Mais si on veut avoir 0, il faut placer la batterie. Alors la batterie, on la place dans quel sens Ensuite, on sait qu'on a 0,6 dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Donc, il faut faire 0,6. Et si on veut 0, ben, 0,6 moins 0,6. Puisque là, on aura moins 0,6 dans ce sens-là. Donc, il faut imposer 0,6 dans ce sens-là. Donc, on va mettre 0,6 volts. Pas remplacer, non Je veux il met un fil. Là, on va mettre 0,6. Et vous voyez que on a bien 0 si on regarde ben là on a 5 volts et là on a 0 quand on a dépassé finalement les 5 euh, quand on a dépassé le seuil donc on a bien écrété notre signal on a transformé un signal qui est alternatif en un signal qui varie entre 0 et 5 volts bon si on n'est pas trop regardant, on pourrait même dire que c'est un signal carré. On pourrait considérer que ça, c'est le front finalement. Si on n'est pas trop regardant, si l'application est pas trop regardante, ben vous pouvez considérer que vous avez fait un générateur carré. Bon, c'est un générateur carré très approximatif, mais ça peut servir pour certaines applications. Donc du coup, j'ai fini avec cette partie-là. C'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, partagez-la, commentez, likez et abonnez-vous. Ça aide à faire grandir la chaîne. Et ça aide à promouvoir mon contenu s'il a pu vous aider parce qu'il pourra en aider d'autres. Ma playlist électronique avec mes autres vidéos, si vous ne l'avez pas vue, elle va s'afficher à droite. Et aussi je fais des vidéos tuto-humour dont une qui marche assez bien en ce moment et elle va s'afficher en haut à droite. Donc je vous dis bye et à plus pour la prochaine vidéo.